Vous avez des bourgeois qui n'ont aucune conscience du sort des catégories populaires dans notre société. Et vous avez des gens qui sont de véritables idéologues. Moi, je le vois. Quand je dénonce la montée de l'antisémitisme en Seine-Saint-Denis, tout de suite, j'affabule, j'agrandis les choses, alors que c'est la vérité. Quand je parle du sort des homosexuels en Seine-Saint-Denis, c'est la même chose. Quand je parle de l'insécurité dans les transports et que j'invite les dirigeants socialistes à prendre avec moi la ligne 13 du métro ou encore le RER B, tout de suite, en effet, ils me disent « mais vous sombrez dans le populisme parce qu'ils ne veulent pas ». On en revient à ces politiciens déconnectés de la vraie vie. On en est encore là en 2020 aussi. Et pourtant, à gauche, il y avait des penseurs. Je pense par exemple à Laurent Bouvet qui a développé le concept d'insécurité culturelle. Enfin, le peuple aujourd'hui est attaché à l'identité française. Et c'est pour ça qu'une partie de ce peuple vote pour aujourd'hui pour soit Marine Le Pen, soit Éric Zemmour.